Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de l'ERTM, bienvenue à ce numéro consacré à la participation du Mali au FESPACO 2019. Sept films maliens compétissent au nom du Mali à la 26e édition du Festival panafricain de la télévision et des écrans de Ouagadougou. Celle que je rejoins s'appelle Fatoumata Joy Koulibaly, elle est photographe, membre de l'association des photographes maliennes et elle est aussi cinéaste. Elle vient nous présenter son film Le Siraire d'à côté. Je la rejoins pour m'entretenir avec elle. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Comment bien. Ça va? Bien. Félicitations. Merci. Pour cette belle nomination qui est tombée à la dernière minute, oui. Mine de rien. Mais qui vient s'ajouter à la liste des films maliens qui compétiront pour le FESPACO prochain. Et pourquoi le Siraire d'à côté? Bon, le film déjà, c'est la francophonie qui organise la compétition. Donc ils ont donné un thème. Le thème c'était un spectacle d'enfants. Il fallait. Et qui s'appelle Pestacle. Pestacle. Parce que souvent les oui. enfants. Oui. ont du mal à... Oui, à dire, à prononcer, voilà, ce mot-là. Donc, c'était un peu pour faire un peu de sensibilisation. Et ils ont demandé de faire un film sur le thème Pestacle. Et moi, j'ai fait un film sur un petit siraire qui n'avait pas le moyen de rentrer à un spectacle d'enfants. Du coup, avec cette idée de la francophonie, parce que c'est une compétition qui est initiée par la francophonie, oui. cette idée de la francophonie change aussi, entre un autre code de format dans le cinéma, parce que jusqu'ici, on n'avait pas encore intégré de façon privée, on fait des films oui. nous-mêmes, chez nous, de façon amateur, mais là, on va vers une professionnalisation du plus court maintenant. Oui, parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de festivals dans le monde sur les films mobiles. Maintenant, c'est avec la modernisation, on peut faire des films avec les iPhones et les téléphones qui ont des bonnes résolutions. Et je pense que ça, c'est un moyen aussi de faire, donner la chance aux jeunes de faire un film rapidement et puis à moindre coût. Et tu as envie d'expérimenter le monde du cinéma ou explorer le monde du cinéma. Vous venez justement de la photographie. Bon, de la photographie à l'image mobile, il n'y a qu'un film. Mais vous n'êtes pas méconnue du monde du cinéma parce que vous êtes aussi la fille d'un grand costumier du cinéma malien, Kandjoura Koulibaly. Nous pensons à lui. Et comment vous avez embrassé justement ce métier de papa en quelque sorte? C'est une très belle question. Tout d'abord, depuis à bas âge, je voyais beaucoup de monde qui venait à la maison, les artistes, les réalisateurs qui faisaient des va-et-vient. Et donc, ça m'a donné un peu envie de tenter, c'est-à-dire le milieu-là. Un, et deux aussi, j'aimais écrire des petites histoires. J'étais tout le temps avec les contes, surtout les contes africains. J'adore les contes africains. Donc, je lisais beaucoup. Et c'est à la fin que après le bac, que je suis allée au conservatoire pour me consacrer un peu au multimédia. Et je me suis spécialisée à la réalisation, dont j'ai fait un film d'école qui a eu un prix au FESPACO. À la dernière édition, lors de la 25e édition, oui. en 2017. Nous avons regardé ce film. Il est ouvert au vote jusqu'à quand? Parce qu'il faut voter. Oui, il faut voter. En fait, c'est vrai que ça, c'est une nouvelle phase. Parce que là, déjà, le film est présélectionné. Et le film est présélectionné. Et donc, il faut vraiment voter. Il faut voter pour le Mali jusqu'au 15 février. 2019, donc c'est encore ouvert. Donc voter pour le Mali, pour que le Mali puisse relever ses défis. Et je pense que le Mali relèvera ce défi. Malheureusement, quand l'émission passera, les votes seront clos, mais nous, la campagne continue sur les réseaux sociaux que nous avons déjà commencé. Moi, j'ai déjà voté pour le film de Fatoumata Joy Koulibaly, qui est un excellent film. Je vous invite à suivre la bande-annonce. Thank you.
pour cette belle attention. Nous revenons sur ce plateau après cette petite pause. L'exercice de ce film consistait justement à réaliser avec son portable un petit film qui tient la route, ce qui est le cas de Fatmata Kekunbali. Et à moins de deux minutes, Paris réussi pour notre réalisatrice qui nous a en 2017 rapporté un prix de Ouagadougou. Nous espérons que cette année sera la sienne également. Et quel est votre sentiment quant à la place de la femme dans l'art tout court et aussi dans la réalisation, qui est un monde quand même pas facile pour la femme? Moi je rêve, c'est ce que je dis partout où je passe, je rêve de faire un film et que les gens ne disent que voilà, c'est un film de femme. Ils diront c'est un film tout court. Parce que là, partout où on va, on nous traite, voilà, c'est un film de femme. Si les gens regardent le film, disent voilà, c'est une femme qui a réalisé, on sent dans le film que c'est, voilà, elle met trop d'importance, trop d'attention sur les femmes dans le film. Et ce qui n'est pas bien. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de compétence. Hein. C'est une question de compétence. Ce n'est pas une question de genre de dire que c'est un film de femme. C'est que les hommes, tout ce que les hommes peuvent faire dans le milieu, je précise, dans le milieu cinéma, les femmes aussi peuvent faire. Aujourd'hui, il y a des femmes cadreurs, il y a des femmes photographes, il y a des femmes ingénieurs de son. Et donc, je pense que maintenant, Nous avons dépassé la question genre. Maintenant, c'est une question de compétence. Une dernière question pour terminer. Là, une deuxième fois, on vous appelle, on vous dit, vous serez présente à Ouagadougou. Qu'est-ce que ça vous fait pour la deuxième fois? Bon, je pense que c'est une joie pour moi. C'est une joie parce que de retrouver tous ces gens-là, et ces souvenirs-là. Et donc, c'est une joie. Et j'imagine que ça va être une semaine de retrouvailles avec d'autres réalisateurs que vous avez rencontrés, d'autres professionnels du monde du cinéma que vous avez rencontrés. Tout à fait. Parce que là, le FESPACO, c'est bien de participer, même si tu n'as pas de film sélectionné. Il faut aller voir, parce que ce sont toujours des expériences qui nous permettent d'enrichir notre carrière, d'échanger, de tisser ces contacts, ces relations. Donc, c'est toujours important de participer au FESPACO. Je vous remercie pour votre visite. C'est bravo pour la nomination. Merci. Nous serons avec vous à Ouagadougou pour vivre cette Coupe d'Afrique des Nations du Cinéma. Plaise à Dieu. Inch'Allah. Et cette émission vous a été préparée et présentée par Maliculture, l'ORTM et le CNCM. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt, messieurs.